Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat mal Oustad Mohamed Al-Bukhari. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا رمضان مبارك سعيد عليكم جميعا، يدخل عليكم وعلينا جميعا إن شاء الله بالصحة والهنا والنجاح في المسيرة الدراسية والمهنية ديالنا إن شاء الله. إذا اليوم غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا ليكتور صفحة 105 من الكتاب المدرسي للمتعلم والمتعلمة pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire. العنوان ديال هاد لو تيكست سي افون لو ديكولاج. افون لو ديكولاج سي بيان. دونك عندنا واحد ليماج هنايا هي هادي. دونك ريغاردي هنا عندنا في ليماج اليونا ان مسيو ايسي اي اون دام. ريغاردي on voit un dialogue et une discussion entre les deux. On voit qu'il y en a le monsieur qui est assis sur une chaise dans l'avion, peut-être, dans une voiture, peut-être, par exemple. Donc, on va voir est-ce que c'est un avion ou bien une voiture après la lecture du texte. D'accord, suivez avec moi, s'il vous plaît. Je vais vous lire le texte. Donc, avant le décollage, le passager. Le passager, ou al-musafir. Al-musafir. Mademoiselle, s'il vous plaît, l'hôtesse est modifat tayaran. Modifat tayaran. D'accord, tayaran. Hein? Oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Le passager, je ne sais pas, je ne me sens pas très bien. L'hôtesse, c'est la première fois que vous prenez l'avion? Le passager, oui, je crois que j'ai le mal de mer. L'hôtesse, vous ne pouvez pas avoir le mal de mer, monsieur. Vous n'êtes pas à bord d'un bateau, vous êtes à bord d'un avion. Le passager, c'est vrai, je perds la tête. Je crois bien que j'ai le mal de l'air. L'hôtesse, vous ne pouvez pas avoir le mal de l'air non plus, monsieur. Nous n'avons pas encore décollé. Le passager, décollé? Qu'est-ce que cela veut dire? On dit que l'avion découle quand il quitte le sol et qu'il commence à voler dans le ciel. Dans le ciel, mais ça doit être dangereux. Mais non, je vous assure que vous ne risquez rien. Restez calme et attachez votre ceinture. Ma ceinture? Pourquoi faire? Pour vous protéger en cas de problème ou décollage. Alors je risque rien, mais nous risquons d'avoir des problèmes au décollage. C'est bien cela. Mais non, soyez tranquille. Tout est prévu. Bon, donnez-moi quand même un parachute. Je me sentirai plus tranquille. C'est bien d'avoir le texte. D'abord, on va essayer de vous expliquer. On va essayer de vous expliquer la langue arabe ou la française. Mais je vais vous expliquer ce que nous avons ici. Donc, la première chose qui est bien, c'est qu'il y a un dialogue ici entre le passager et le musafir. Et bien, on va essayer de vous expliquer. D'accord? C'est bien. Donc, le passager et le musafir. Mademoiselle, s'il vous plaît. من فضلك. Oui, monsieur. نعم سيدي. Vous avez besoin de quelque chose? واش محتاج لشي حاجة؟ Le passager. Je ne sais pas. ما عارفش. Je ne me sens pas très bien. ما عارفش ولكن ما كنحسش براسي مزيان. C'est la première fois que vous prenez l'avion? واش هذه أول مرة كتاخد الطيارة؟ Oui, نعم. Je crois que j'ai le mal de mer. أعتقد بأنني عندي مشكل مع الماء. Vous ne pouvez pas avoir le mal de mer, monsieur. Vous n'êtes pas à bord d'un bateau. قلت له ما يكونش عندك مشكل ديال الماء ولا خوف من الماء حيت حنايا ماشي في الباطو حنايا كاينين في لافيون. C'est vrai, je perds la tête. Je crois bien que j'ai le mal de l'air. اعتقد بانه عندي الخوف من الهواء. Vous ne pouvez pas avoir le mal de l'air non plus, monsieur. ما غاديش يكون عندك الخوف من الهواء بعد الان سيدي. Nous n'avons pas encore décollé. حنا باقيين ما تحركناش اصلا باقي ما قلع الطياره. Décollé? Qu'est-ce que cela veut dire? شنو هي décollé? شنو هو قلع الطياره? On dit que l'avion décolle. كنقولوا بان l'avion قلعت quand il quitte le sol. منين كتفارق التربه ولا الارض. Et qu'il commence à voler. وكتبدا تطير في le ciel في السماء. Le passager dans le ciel? Mais ça doit être dangereux. في السماء. L'hôtesse, mais non, je vous assure que vous ne risquez rien. Quand restez calme et attachez votre ceinture. Au dire c'est-à-dire le passager. Ma ceinture, Santa, pourquoi faire? L'hôtesse, pour vous protéger, en cas de problème au décollage.
il a eu un problème dans l'éclair. Alors que je ne risque rien. Eden, d'abord le passager qui dit, Eden, je ne risque rien. Mais nous risquons d'avoir des problèmes au décollage. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème qui est un problème dans l'éclair. C'est bien cela, tu me dis. Mais non, soyez tranquille, tout est prévu. Le passage est bon. Donnez-moi quand même un parachute. Attendez, un parachute, un mindad. Je ne sentirai plus tranquille. C'est bien. Donc, c'est le texte. Je vous les questions, les kinin, la page 106. C'est bon, hein? Donc, avant la lecture, donc, je relève le titre du texte, c'est avant le décollage. Avant le décollage. Comme ça. Le nom de l'auteur, c'est donc, François Fontaine. François Fontaine. Donc, deux. Combien de personnes vois-tu sur les deux images? Les personnes, les personnes qui n'ont pas de l'image. Deux. Où sont-ils? Dans l'avion, à l'avion. L'avion. Où se déroule l'histoire? L'histoire déroule dans l'avion. Dans l'avion. L'avion. À ton avis, que peut demander le jeune homme à l'hôtesse de l'air? Donc, on peut dire n'importe quoi comme une hypothèse. D'accord? Pendant la lecture, je lis silencieusement le texte, puis je réponds. Donc, quand je lis le texte, à quel genre appartient ce récit? Donc, c'est un dialogue. C'est un dialogue. Combien comporte-t-il des répliques? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. D'accord? 17 répliques. D'accord? Donc 17 répliques. Donc, comment sais-tu quel personnage parle? Donc, le personnage qui parle, c'est le monsieur. Le monsieur et la dame. Et la dame. Que fait alors l'hôtesse de l'air? L'hôtesse de l'air. Donc, a-t-elle réussi? Donc, oui. Donc, Naya rahbat bih ou ma khallatouch. Yani, ikhaf, ibqa khaif. D'accord. Comment est le passager au début du pièce, de la pièce? Ken khaif, peur. D'accord. Que fait alors l'hôtesse de l'air? L'hôtesse de l'air. D'accord, il fait une discussion avec il. Oui, c'est bien. Donc, les autres questions qui relèvent donc la lecture. Je m'évalue qui est un complément circonstanciel de l'URH de complément circonstanciel de temps. Je mets à l'imparfait, j'ai le mal de mer. Donc, l'imparfait. Donc, j'avais le mal de mer. Donc, on a sauf le verbe avoir fait. L'imparfait. Vous n'étiez pas à bord d'un bateau. Donc, n'étiez, I-E-Z. N'étiez pas à bord d'un bateau. D'un bateau. C'est bien. On dit je ne risque rien, je ne risque donc je ne radindir AIS rien, c'est bien. D'abord, on sert le complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu. Donc, vous êtes à bord d'un avion, vous êtes à bord d'un avion, avion, d'accord. Bord d'un avion. Ça fait complément circonstanciel de temps. Il est le temps. On cherche maintenant le complément circonstanciel de temps. Et on voit ici. C'est la première fois que. Première fois.
Il y en a un quand. Donc, l'avion découle quand il quitte le sol. Ça, c'est le complément circonstanciel de temps. D'accord, c'est c'était. D'accord, donc, la vidéo d'aujourd'hui, qui est la lecture, pour communiquer en français, cinquième année de l'enseignement primaire, ou qui est la rabia, semaine 1 et 2. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne de Mohamed Boukhari. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne de Mohamed Boukhari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.